Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour ce week-end. Je vais faire une petite vidéo sur Dimension ou Dimension, prononcez comme vous voulez. Hein. Vous avez dû pas mal en fait la voir dans les sur Twitter ou dans les journaux. Elle a fait quand même un sacré bruit. Son jeton est sorti il y a pas longtemps. Je crois que c'était la première semaine de février. Donc du coup, j'avais juste envie de vous dire en fait quel est un peu son fonctionnement et ce qu'elle a d'unique. Voilà, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Dimension? Eh bien, c'est en fait la première des blockchains modulaires à haut débit qu'on appelle Rollups. Ces derniers, donc ces Rollups, sont conçus pour être facilement déployables. Ils offrent une approche rationalisée pour créer diverses applications sur cette blockchain. Le cœur de l'innovation de Dimension réside en fait dans son kit de développement RDK, qui est en fait semblable au SDK de Cosmos, qui fournit aux développeurs une boîte à outils robuste pour accélérer le processus de création de ces applications. Le terme Rollup est en fait un dérivé du concept des Rollups, qui sont des solutions conçues pour augmenter l'évolutivité de la blockchain en regroupant plusieurs transactions en une seule transaction. Une Rollup, c'est en fait un élément clé du réseau Dimension, représentant une nouvelle classe d'applications blockchain qui se veut à la fois modulaire et hautement efficace. Du coup, pourquoi est-ce que Dimension est unique ? Dimension et ses Rollups en fait apportent une innovation clé au domaine multichain. Les Rollups sont conçus pour surmonter le trilemme de la blockchain, donc ce que vous savez, hein, à savoir l'évolutivité, la sécurité et la décentralisation. Ils introduisent la production élastique de blocs, ou EBP, si vous voulez le dire un petit peu plus court. Cette méthode produit des blocs selon les besoins au lieu de suivre en fait un calendrier fixe. Elle génère des blocs uniquement selon les transactions à exécuter. Tout ceci, évidemment, allège la charge sur le réseau et augmente son efficacité, surtout très utile durant les périodes de moindre activité, justement pour éviter le gaspillage de toutes ces ressources. Quelle est l'efficacité des Rollups? Eh bien, justement, l'une des caractéristiques des Rollups réside dans leur aptitude, en fait, à déléguer le processus de consensus au Dimension Hub, ce qui leur permet de se concentrer pleinement sur l'apport de fonctionnalités spécifiques tout en bénéficiant de la sécurité et de la décentralisation offerte par le réseau Dimension. Dimension sert en fait de pivot entre les diverses Rollups, favorisant une interopérabilité et des échanges fluides à travers différents écosystèmes de blockchain. Tout ceci est rendu possible grâce à l'intégration du protocole de communication inter-blockchain, donc IBC, autorisant les Rollups à échanger des données et de la valeur de manière sécurisée entre les chaînes. Cette capacité transforme Dimension en un élément fédérateur dans le paysage fragmenté de la blockchain, justement pour promouvoir une expérience Web3 unifiée et interconnectée. On va voir maintenant très rapidement les fonctionnalités de Dimension. Donc, c'est une technologie blockchain, donc cette plateforme permet l'intégration entre la couche réseau centralisée et la couche de consensus grâce au logiciel TenderMeet, offrant ainsi une interface intuitive pour les utilisateurs et les développeurs. Dimension exploite le Dimension RDK pour personnaliser la chaîne Rollup et fonctionne grâce au séquenceur. On verra ça tout à l'heure. Les utilisateurs doivent staker des jetons DIM pour exécuter des commandes sur les séquenceurs. Le Dimension Hub. Dimension utilise le modèle de réplication d'état TenderMeet Core pour la validation des transactions et la connectivité réseau, optimisant ainsi les services agrégés pour faciliter l'interaction entre les Rollups. La structure modulaire de Dimension autorise le choix de l'environnement d'exécution et le stockage des données à coût réduit très important. Dimension fait usage de la technologie Optimistic Rollup et de preuve de fraude pour la vérification des transactions. Le jeton DIM est utilisé pour le paiement des frais et la participation à la gouvernance de la plateforme via le vote avec un AMM qui assure la liquidité pour les échanges de jetons du DIM. Le pont IBC permet en fait au Rollup de se connecter et de transférer des actifs entre la couche 1 par le biais du pont IBC, très important pour l'interopérabilité. On va maintenant vite regarder le fonctionnement de Dimension. Donc les Rollups peuvent traiter les transactions avec un temps moyen de 0,2 secondes et ils ont atteint, je crois, en testnet un maximum de 20 000 transactions par seconde. Ce qui est franchement pas mal dans l'état actuel des blockchains. Le processus opérationnel à la plateforme se déroule en fait en plusieurs étapes.
Les séquenceurs ont pour mission la validation, l'ordonnancement et le traitement des transactions. Ils garantissent en fait une actualisation instantanée à chaque transaction, collectant et diffusant les blocs de transactions à travers les nœuds et les réseaux. Cela assure la disponibilité des données tout en adoptant une validation de l'état basée sur une perspective optimiste. Cette structure permet en fait au hub d'invalider toute transition d'état jugée frauduleuse grâce à des preuves de fraude, maintenant ainsi l'intégralité et la sécurité du réseau. Les roll-ups utilisent aussi un mécanisme qu'on appelle Escrow Inter-Blockchain, donc IBC, pour le pontage, qui permet des transferts d'actifs interchain très efficaces avec un mécanisme de litige pour la sécurité. On peut brièvement jeter un coup d'œil au tokenomics de DIM. Donc, on peut voir donc que l'allocation publique est de 6%. Donc ça a été fait par Airdrop, et après vous avez évidemment tout ce qui est les incentives, comment on dit en français déjà, les incitations pour l'écosystème. Vous avez le recherche et développement qui est de 20%, le community pool de 5%, enfin voilà, vous pouvez mettre sur pause ma vidéo et puis vous allez regarder tout ça, mais c'est assez banal, j'ai pas vraiment quelque chose à dire sur cette tokenomics. Regardons un petit peu maintenant justement le token de DIM. Donc actuellement, il y a une market cap de 1,1 milliard de dollars pour 146 millions de DIM en circulation. Il n'y a donc que 14,6% des jetons qui sont en circulation, donc c'est très peu. On peut voir que le total de tokens, c'est 1 milliard de DIM. Ce qui nous amène en fait à une fully diluted market cap de 7,6 milliards. Donc c'est comme si on prenait 1 milliard des jetons qu'on met en fait en circulation aujourd'hui au prix de 7,68 $. Voilà, donc ça fait une très grosse capitalisation. Donc pour une blockchain de couche 2, Ethereum, c'est une capitalisation qui est moyenne, on va dire. Je pense qu'il y a encore du potentiel à la hausse. D'ailleurs, on va passer directement sur le graphique. Donc, je pense que le graphique part de lui-même. Hein. il est sorti, il a explosé le jour de sa sortie publique. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, il est monté, donc il a tapé direct un ETH. Et puis, en allant voir... Donc, si on prend un rectangle, on peut voir que le DIM est rentré dans un range actuellement. Donc c'est en général ce qui se passe après une sortie publique, hein, comme ça. Donc voilà, donc après c'est vrai qu'on a plus de potentiel de casser à la hausse quand on va arriver là, vu qu'on est arrivé justement en plein dans un mouvement qui était très haussier. Voilà, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le jeton DIM? Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que Dimension fonctionne sur un modèle de preuve de participation déléguée, dans lequel les validateurs sont responsables de la sécurisation du réseau et du traitement des transactions à travers le jeton DIM. Donc pour ça, il faut évidemment le staker pour encourager la sécurité et l'intégrité du réseau. Les validateurs ou les délégués gagnent des récompenses sous forme de DIM pour leur contribution au réseau. Ça, c'est... évidemment, tout ce qu'il y a de plus banal. Les détenteurs du jeton DIM disposent des droits de gouvernance, ça aussi c'est très banal. Ça leur permet de participer au processus décisionnel concernant le développement futur de tout son écosystème. Dimension intègre un market maker automatisé au sein de son hub, ce qui veut dire que les détenteurs de jetons peuvent contribuer au pool de liquidités pour gagner des récompenses et permettre un échange efficace d'actifs et une découverte des prix au sein de l'écosystème. La création de jetons DIM est soumise à des ajustements algorithmiques qui sont en fait basés sur le dynamique de staking. Ça c'est pas banal par contre. Le taux d'émission de nouveaux jetons est en fait ajusté en fonction de la proportion des jetons DIM qui sont stakés dans le but d'atteindre un équilibre entre la sécurité du réseau et l'offre de jetons. On va voir si un système comme ça peut perdurer dans le temps. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Dimension. On se retrouve pour une autre vidéo. À plus !